vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État burundais a indiqué que le problème de pénurie de carburant est dû essentiellement aux opérateurs économiques privés qui n'importent pas les produits stratégiques alors qu'ils ont bénéficié de devises. Ces propos ont été tenus au cours de l'émission publique que le numéro 1 burundais a tenue ce vendredi en province Changzhou. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et l'Assemblée nationale suggère aux gestionnaires du gouvernement de réformer le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Suggestion faite ce jeudi après que les parlementaires aient présenté leurs inquiétudes face à la pénurie du carburant, de l'eau et du courant électrique qui s'observe dans le pays. Le ministre de l'Énergie a promis de tenir les états généraux de ce ministère pour résoudre les questions qui minent ce secteur. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le président burundais indique que les auteurs des images faisant état de militaires capturés en RDC et qui seraient des militaires burundais, ceux qui véhiculent ces images le font pour détourner l'attention des gens. Le président trouve que les Burundais ne devraient pas s'intéresser à ces cas de pareilles informations car l'armée burundaise a une régulation propre à elle. Évariste Ndayishimiye admet cependant que malgré le retrait des forces de l'EAC dans ce pays, les militaires burundais déployés dans le cadre de la coopération avec la RDC y sont restés. Suivez-le. La communauté est-africaine avait pris l'initiative de contribuer à rétablir la paix en RDC, mais cela n'a jamais apporté la coopération militaire qui existait entre les pays. Si le Burundi est allé en République démocratique du Congo, le pays le fait pour son intérêt. Un bon militaire fait face à une guerre tout en sachant qu'il se sacrifie pour sa patrie. Et c'est pour cela qu'il accepte de perdre sa vie pour le bien de sa nation. Concernant les images faisant état de militaires capturés en RDC qui seraient des Burundais, en cette matière, il y a ce qu'on appelle guerre psychologique. Nous faisons, nous aussi, des renseignements. Je vous dirais par exemple que parmi les forces du mouvement M23 figurent des forces de Red Tabara. Mais dire que des militaires burundais ont été capturés, je vous le dis, c'est une guerre psychologique. De tels groupes terroristes le font pour montrer qu'ils sont plus puissants que leurs ennemis. Il ne faut pas se fier à de telles informations et dire que certains ont été sanctionnés pour avoir refusé d'aller sur le champ de bataille. L'armée a sa propre réglementation. Les indisciplinés doivent être sanctionnés. Ainsi, à Mutukura, vous trouverez ceux qui sont détenus pour des raisons disciplinaires pour qu'ils soient ramenés à l'ordre. Mais je vous demanderai de laisser les questions militaires à l'armée et même les politiques. Nous leur demandons de ne pas s'ingérer dans les forces de défense afin que le travail de l'armée reste impartial. Le numéro 1 burundais a été traduit en français par notre confrère Alain Désiré Bukeneza. Et toujours au cours de cette même émission, le numéro 1 burundais a indiqué que le problème de pénurie répétitive du carburant est dû aux opérateurs économiques privés. Suivez-le. Que vous ne continuez pas à dire que le problème du carburant est celui du gouvernement, mais plutôt celui des personnes qui ont voulu vider les devises dans les caisses de l'État. Pour avoir de nouveau les réserves de change, les acteurs bénéficiaires n'ont rien imposé.
Je tiens à vous informer qu'à titre d'exemple, jusqu'ici, nous avons recensé 48 millions de dollars octroyés pour les importations depuis 2019 jusqu'en 2021. Mais les opérateurs bénéficiaires n'ont rien importé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vidé les caisses de l'État et pour les remplir de nouveau, les quelques devises collectées doivent couvrir les quantités minimes. Si ces personnes se décidaient à les rembourser, cette somme pourrait couvrir les réserves de change d'un mois et demi en produits pétroliers. Donc, que vous ne continuez pas à dire que le problème du carburant est celui du gouvernement, mais plutôt celui des personnes qui ont voulu vider les devises dans les caisses de l'État. Pour avoir de nouveau les réserves de change suffisantes, il va falloir beaucoup de temps, car les quelques devises qui rentrent dans les caisses sont utilisées pour l'achat des fertilisants, médicaments et du carburant. Dans ce cas, on n'importe quelle quantité de carburant. C'est pourquoi, si nous importons du carburant pour 2 semaines, recherchons d'autres devises pour couvrir les 2 autres semaines qui restent. Nous voulons créer une société publique spéciale pour le carburant, laquelle servira toutes les autres sociétés pétrolières. Nous voyons que l'organisation avance de façon que nous puissions bénéficier d'un prêt. Mais vous savez que pour y arriver, on doit démontrer au préalable qu'il y a une bonne organisation. Nous sommes à l'œuvre et je peux vous rassurer, car comme vous le savez auparavant, les opérateurs privés importaient les quantités qu'ils voulaient et pouvaient suspendre l'importation. Nous avons d'abord recensé les opérateurs. C'est une tâche difficile. On se rend d'abord à la Banque centrale, puis à l'Office burundais des recettes pour vérifier tous les produits importés et leur valeur pour constater les reliquats. Ensuite, il est interdit d'interpeller une personne sans enquête préalable. Je vous avise que vous verrez prochainement des saisies des biens pour certaines personnes. Il n'y a pas d'autre choix car emprisonner une personne n'est pas primordial. Et quant aux grognes de certains politiques qui n'ont pas été associés dans la mise en place de la Commission nationale indépendante CENI, le chef de l'État dit que tous les partis politiques ne peuvent pas être représentés dans cette commission. Pour ce qui est de la hausse de la caution, cette décision a été prise pour limiter l'effectif des candidats. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Le président de la République du Burundi indique que les responsables des partis politiques qui sont lamentés comme quoi ils n'ont pas été concertés pour la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante CENI sont ceux qui voulaient être membres de cette commission. Évariste Ndayishimiye trouve la CENI inclusive. Au Burundi, nous sommes gangrénés par des aspirations vers des postes politiques. Pensez-vous que ceux qui se lamentent le font pour cause de ces membres de la CENI? Tenez, quand on intégrera un responsable d'un parti politique qui se dit oublié, il dira que la commission est bien organisée. Le Burundi est fait de 12 millions d'habitants et la commission est faite de 7 personnes. Elle comprend des indépendants et ceux qui proviennent des partis politiques. Si nous avons 47 partis politiques, peut-on constituer un organe de 47 membres? Concernant la caution qui a été revue à la hausse pour les candidats présidentiels, Évariste Ndayishimiye a répondu que cette décision a été prise pour limiter l'effectif des candidats au poste du président de la République. La question raisonnable est celle relative à la caution revue à la hausse. Mais pensez-vous combien de fonds emporte la confection de 100 bulletins de vote? Et si l'on pourrait laisser tout le monde se faire élire, combien coûteraient les bulletins de vote en termes de millions? Et voilà des lamentations des gens qui n'ont même pas l'objectif d'opposer leur candidature. La caution est donc exigée en vue de permettre à des gens qui sont effectivement crédibles envers les citoyens.
La caution qui donne l'accès de se faire élire au poste du président de la République est passée de 30 millions à 100 millions de flambeaux. Évariste Ndayishimiye exhorte ceux qui disent que ces montants sont exorbitants de commencer à collecter les contributions à leurs fidèles afin de se préparer en conséquence pour les futures élections. Le président de l'Assemblée nationale demande aux gestionnaires du gouvernement de réformer le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Pour lui, il est impossible qu'un ministre puisse plutôt qu'un ministère puisse fonctionner normalement sans manuel de procédure, ni de code de déontologie et d'éthique, ainsi que des dossiers de marché public qui n'ont pas de procès-verbaux d'ouverture et des procès-verbaux des réunions du ministre et des services. C'était des propos tenus lors des questions orales sur le rapport d'audit de la capacité de gestion budgétaire réalisé par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2023. Le point avec Placide Niyomongere. Le ministère Ndiyibaho, le ministère Ndiya organigramme, le ministère Ndiya manuel de procédure, manuel de système de contrôle interne Ndizikora, le ministère Ndiyana rapportage Ndibikora. Son ministère que le président de l'Assemblée nationale trouve presque inexistant, c'est celui de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Selon la commission permanente en charge des comptes publics et des finances au niveau de l'Assemblée nationale, le rapport d'audit sur les capacités de gestion budgétaire réalisé par la Cour des comptes au niveau de l'administration centrale du ministère de l'Énergie et des Mines pour la période allant de 2019 à 2023 révèle des manquements au niveau de l'environnement de contrôle, tels que le manque de manuel de procédure et de la déontologie éthique, en plus des manquements liés aux activités de contrôle, comme l'a précisé le président de la commission. Pour le président de l'Assemblée nationale, vu ces manquements, c'est impossible que le ministère fonctionne normalement vu cette situation qui s'empire. Le député Simon Bizimungu s'interroge si le ministère en soi reconnaît au moins le contenu de ce rapport d'audit de la Cour des comptes. Selon lui, par ces manquements, il est lisible que les difficultés qui hantent la population en rapport avec le manque d'eau, de l'électricité et du carburant tirent source de ce dysfonctionnement. Par cette situation, les députés Saoud Damboneko et Olivier Suguru reviennent pour remettre en doute le pouvoir de décision et de contrôle que dispose le ministre de l'Hydraulique pour contrôler les entités administratives sous sa tutelle. Face à cette situation révélée par la Cour des comptes, la Chambre basse du Parlement burundais recommande la réforme de ce ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines pour limiter le chevauchement entre les services déconcentrés et le risque d'impasse. En plus, l'Assemblée nationale suggère au ministère de l'Énergie et Mines de tenir dans l'urgence des États généraux pour aligner ses fonctionnaires vis-à-vis des missions leur assignées, ce que le ministre Ibrahim Ouizeye accueille favorablement et promet d'organiser dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Attentionnée par cette situation, l'Assemblée nationale du Burundi précise qu'elle va également saisir la Cour des comptes pour réaliser un autre audit au sein de son ministère afin d'établir la responsabilité de tous ses fonctionnaires dans ce dysfonctionnement et évaluer aussi la tendance au changement. Merci à Placide Niyomongere pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.